Bonjour et bienvenue sur Dark Techo Gaming pour la suite de Killer is Dead. La dernière fois, on avait fait l'épisode 6, l'homme qui avait volé le son. Cette fois-ci, nous allons faire les deux. On va essayer de faire une demoiselle en détresse et haute fidélité. Natalia, nouvelle mission, cible ennemie des femmes, zone entrée de Sonic Cloud Incorporated. Donc ce sont des side quests, j'aime bien faire les petites side quests comme ça. Protéger la belle des ennemis. Eh ben c'est la meuf de tantôt. Utiliser la tourelle. Oh my. Il y a 6 ennemis à battre. Non, 6 vagues. Devant, ça devrait pas poser trop de problèmes. Vague 2. Zako da na. Ok, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Et je sais pas quoi dire pendant tout ça parce que, bah voilà quoi, c'est Mondo qui protège une femme de se faire buter par des monstres. J'attendais vraiment un truc un peu plus... mieux. Vague 4, ils sont plus que 10. Dernière vague. J'arrive pas à le viser, voilà. Alors grand con, tu viens. Même pas un gros, je m'attendais à avoir un gros dernier. Bon bah voilà, c'est fait en même pas 5 minutes. Et ça nous fait de la thune, et la thune c'est bien. Et puis au moins vous pouvez pas dire que j'ai pas tout fait. Les belles de Mondo, j'évite parce que... Hein, strike. J'ai déjà eu des problèmes avec le premier. Je déconne pas, j'ai vraiment eu des problèmes avec les belles à Mondo. Du genre... Alors attendez, vous êtes en train de me dire que l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Jake Bryan ou quelque chose comme ça, je m'en fous en fait, a montré un cadavre, lui, on lui a mis un YouTube strike sur sa vidéo. Mais comment
si je commence à aller draguer, hein, et bah tout de suite, on va me strike mes vidéos. Allez, haute fidélité. Brian Ross, nouvelle mission. Cible, casque démoniaque, salle d'exposition, South Community. Indépendance, fabriqué au Faber. Va falloir taper. Je dois récupérer le casque, mais je dois défoncer le gros là, j'ai l'impression. Quartier général et récupérer le casque audio. J'ai mal rappuyé, je voulais appuyer pour faire des fleurs. Je visais pas vous, les gars. Alors, Monkey Island, et ses tourelles. Putain, à chaque fois que je veux viser la tourelle. Voilà, décapitation et tout ça. J'ai récupéré le casque. Vous avez pris le casque audio, forcez l'entrée et quittez le bâtiment.
Elle a quoi? Dites pas qu'il faut que je descende par là. Ah! Tout ça parce que j'ai pas de quoi. Frappe, arrête de frapper! Donne-moi ta tuile. Voilà, j'ai la tête du gus, vous pouvez me laisser sortir maintenant. Deux fois sur cette mission de merde. Allez, réveille-moi, Mika. Ah, ça fait mal. Tout ça parce que vous avez des armes à feu. Ça veut dire que vous êtes cool. Ah. Oui, mais j'allais le faire. Laisse-moi faire. Dans 2 minutes, je suis déjà mort pour les aux yeux de Dieu. Oh non, putain, un hérétique! J'ai pas le temps. Nîmes, pas mieux. Et voilà le travail. Ça, c'est du travail comme j'aime. Conscience professionnelle. Oh. Nouveaux objets arrivés en boutique. Il serait peut-être temps d'aller au bureau, justement. On va donc. Ça, c'est notre état. Les améliorations. Donc. On a beaucoup d'argent.
714. Seulement, je croyais qu'on avait plus. Ah non, c'est de la... Laisse-moi deviner, c'est le prix. Ah non, c'est bien là, le fric que j'ai. Bon bah. Déjà, ça. Améliorer. Récupération de santé automatique. Healing level 3. Ça devrait aller. Par contre, l'état de mes finances, non, à 1 million, je sais pas d'où il les trouve. Ah, c'est pour ça. Alcool de cannabis. Donc, ça, c'est pour. Donc, apparemment. Tout ça, apparemment, c'est pour. Bon, on va déjà en prendre. Ça c'est pour les belles amondo, tout ça, les bouquets, les bracelets. Voilà, 10 tickets Mickey, avec ça je devrais être tranquille. Alors là par contre c'est pour améliorer morceau de wire évoquant une gemme XP santé 100. Donc on augmente l'XP de santé, c'est de la triche. Je préfère prendre des tickets Mickey pour survivre. Et puis comme j'avais dit, il y a les costumes. Est-ce que j'ai des nouveaux costumes depuis? Non. Donc voilà. Donc Mika, je l'ai mis en uniforme. Sinon, il y a comment, le Mika normal. Et puis il y a Vivienne. Vivienne, on peut l'avoir comme ça, mais je préfère franchement la tenue normale. Parce que sinon, ça fait un peu trop cliché. Et je ne pense pas qu'elle porterait ça réellement. Lui, par contre, j'aimerais bien changer sa tenue. Parce que sa chemise, là, elle ne fait pas très professionnel. Allez, on va continuer. Alors. Non, ça c'est. Hein? On était ici. Le tigre qui se fondait dans le noir. Client chef Yakuza. État nouvelle mission. Info cible. Amadayama. C'est donc lui, Amadayama, c'est ça? Et ça doit être les Yakuza. Ah, il a un stand! Son stand est un tigre! Et il a combattu son propre stand! Mais qu'est-ce qui passe? C'est du sérieux. Le tigre qui se fondait dans la peau. Pas dans le noir. Et là, c'est le tigre qui se fondait dans les ténèbres. Cher monsieur Brian. Je ne sais pas lire le japonais. Mais tu parles japonais. Nani. Yonda. Iraida. Iraniwa. Il est encore mort. Keihi no seikyu saki. Chanto kakunin dekiteru nde shou ne. Irai naiyou wa nan desu ka? Kyoto ni tora ga deta. ワイヤーズですか?だろうな。ワイヤーズって何ですか?何ですか?知らなかったのか。ダンコンバットプリで。君が今まで倒してきた雑魚キャラだよ。Exactement, c'est. Je crois que c'était le lapin qui vivait sur la lune. Choke-tai-shou-wa-ni-hun-no-yakuza-da. Hamadayama-kumichou-no-kubi-yo-totte-koi. Iin-desu-ne. Shigoto-da.
わかりました。確実に処刑します。OK, bye. C'est genre... Non mais c'est quoi des Warriors? Bah c'est ce que tu tues depuis le début? Oh, ça fait sens. Putain Mondo, tu devrais commencer à réfléchir à tes actes. Bon, au moins, au Japon, avec un sabre, il devrait se fondre dans la masse. Elle non, par contre. Et elle encore moins. Surtout chez des Yakuza, quoi. Yatta ! J'aime les lits. Quoi ? Non, rien. Genre, il ramasse une meuf dans la rue. Elle sait cuire des œufs. Ok, tu peux rester. Pourquoi ça arrive jamais aux autres? Pourquoi ça arrive jamais aux autres? Pourquoi ça arrive qu'à toi, Mondo? Pourquoi tu trouves une meuf dans la rue, tu la recueilles et ensuite tu lui fais faire tes œufs? Derrière moi, est-ce qu'il n'y a pas. Non, rien de caché. Mais devant. Oh. Il y a un mur là-bas. Il faut que je perce. Un ninja. Au Japon, il y en a plein. C'est un tanuki. Sono tanuki no okimono. Yosu ga okashii wa ne. Je t'ai caché dans le tanuki, je l'ai même pas remarqué. Alors, en fait, je suis même pas là. ninja. Non, non, donne le fric. Bienvenue, Dragon. Voyons suite aussi fort qu'auparavant. 5 ninjas porteurs de rouleaux sont cachés ici. Rapporte-les-moi tous. Target no jōhō o tōroku shita wa. Sekkin sureba anata no hidari ude ga shindō shite shirasete kureru. Shindō suru basho o mitsuketara, shūhen wo jūten teki ni sagashi nasai. Qui se brise quelque part. Il est là-bas. Bon, eh bien apparemment ils veulent que j'aille par là. Youhou, les ninjas. Viens des. Un samouraï en armure.
忍者に続いて今度は侍？見るからに手強そうね。Hmm. Alors comme ça, tu veux jouer à For Honor? No! Ah, merde. Il y a eu un frame. Invincible à l'épée, hein. T'as quand même bien poutré. Oh, ça va, c'est pas pour quelques gouttes de sang. D'ailleurs, c'est quoi ces méthodes sournoises pour essayer de sneak derrière moi et de me backstab comme le fiefé joueur de Dark Souls que tu es? Et ouais, mon parchemin. Il est là-dessous. Je croyais que tu m'avais pas vu. Coupé. Bon, où j'en étais moi? J'étais là. Oh. Il y a quelqu'un là-bas. Quelqu'un? J'ai vu que quelqu'un avait plus de vie. You. Vers le mur destructible, parce que tant qu'il existera, je serai troublé. Où est-il? Mmh.
Yoshimitsu. J'arrête pas d'appuyer sur esquive pour ça. Toujours là-bas. Destructible. Quoi? Zut. Mais je n'ai pas assez de sang pour l'ouvrir. J'ai pas encore trouvé de Scarlet dans ce niveau. J'entends des... Je vois pas de ninja. Puis j'en ai vu un là-bas, mais... Nique, comment m'as-tu vu pour me trouver ? Facile, tu fais pip-pip. Je fais quoi ? Tu fais pip-pip. Ah, ben je vois que t'as ramené les copines. Get out!
Oui, c'est le deuxième. Par contre, ça, tu fais que tous les bambous. Oui. Et on va finir l'épisode sur le fait qu'on a trouvé Scarlett. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil.